disons à Esaïe 9, 5e verset. Il y a une petite phrase qui résume. Dans lequel il n'y a point de faute. D'où répondais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, j'étais vu. Vous savez, l'auto-créer, l'existant de l'auto-exister, il ne peut jamais naître. Maman, j'arrive. Créer, ça veut dire concevoir à partir de rien. Ce bâtiment qui avait été créé, c'est-à-dire son plan qui avait été fait, il n'y avait rien au départ. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa. Il n'y avait rien quand Dieu a créé le ciel et la terre. La création est liée à l'esprit et la formation est liée au matériel. Tout ce qui est créé est invisible. L'enfant. Et c'est l'invisible qui commande le visible. Tout ce qui est sur cette terre est une copie de ce qui se trouve au ciel. Et tout ce qui est au ciel est invisible à l'œil humain que toi et moi nous avons. C'est seulement à l'œil de l'esprit que cela est disponible. Si Dieu, Christ, il a créé ton cœur, il a créé chacune des 17 milliards de cellules qui te composent, des 6 litres de sang qui te composent, des 11 000 kilomètres de nerfs dans ton corps, d'autant de cheveux que tu as. Et il est allé jusqu'à dire, tes cheveux sont numérotés. Il n'a pas dit compter, hein. C'est les autres versions qui disent compter. Tes cheveux sont numérotés. Ça veut dire qu'on peut mettre seulement le cheveu numéro 1 à la place du numéro 1, dans le trou 1. Donc toi, tu penses que pour que le Christ, lui, il trouve un anneau ou bien une anesse quelque part, c'est un problème pour lui. Quand tu prends une bouchée, quand tu prends une bouchée de pâte dans ta bouche, ce qui va à la sudation, va à la sudation. Ce qui va à la défécation, va à la défécation. Ce qui va dans le sang, va dans le sang. Tu es capable de faire ce travail toi. Ça se passe à ton intérieur. Le peuple qui est en paix, qui a de la joie. J'ai des médecins ici, j'ai des corps de santé ici. L'oxygène de l'air, l'heure coûte combien? L'oxygène médical, l'heure coûte combien? Une heure, ça coûte combien? Domination. Autant de talents, c'est 8 000. Maintenant, c'est 16 000. Une heure d'oxygène que tu respires, c'est à 16 000. Faites-moi 16 000 fois avec 4 pour avoir dans une journée ce que vous respirez comme oxygène. Donc, vous devez au Saint-Esprit que vous ne payez pas. 16 000 fois 24, ça donne combien? Les calculatrices sont où? Les téléphones sont où? Vous pouvez me calculer ça? 16 000 fois 24, ça fait combien? J'arrive, c'est fondamental. Ça fait combien? 384 000 par jour d'oxygène que l'Esprit Saint pompe dans tes poumons. Fois 8 milliards que nous sommes sur la terre. Où est le travail qui est fait? Maintenant, par jour, donc, fois 30, ça fait combien? Fois 80 ans que tu feras sur la terre, c'est les milliards que tu ne peux jamais faire aussi. C'est là où ton esprit doit venir. Dieu à toi. Dieu à ta petite tête. S'il y a une question, on continue. Si nous voulons nous faire du monde, on va faire un temps. Donc, nous,
Thank you.
aide son père pour voir et vous manger. Si celui-là devient roi, est-ce que tout le monde va rester? Le diable vous donne quand même un billet et là, quand on a tout fait. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi parce que pour eux, tout de suite, il va chasser les grecs romains pour que eux autres désormais, personne ne prenne plus leur bétail, leur bruit, leur repente, tout les pêches qu'ils ont faites là. Personne ne leur prendra ça. Vous prenez tout le temps. Mais il ne savait pas que le Christ était plus que ça. Non seulement il va libérer le corps de l'esclavage, mais il libère l'esprit de l'esclavage. Notre roi a été arrêté par n'importe qui. Notre roi a été arrêté. Moutibi, à Bragadaba, seulement tout le monde va tomber. Il s'est laissé arrêter. La déception a commencé à passer. Il est devenu l'agneau là. Avant, il était le lion. Le lion de la tribu de Juda. Avec lui, personne ne peut te toucher, personne ne peut t'atteindre. Il détruit tout. Il leur donne le vent et le vent se tait. Maintenant, il est devenu l'agneau. L'agneau parce qu'on peut l'arrêter. Dépourvu de tout. Sa femme lui a dit, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que cet homme, il fasse ta mère.
t'a libéré. Alléluia. Alléluia. La fête demeure la commémoration pour que. La fête demeure la commémoration. Parce que Dieu a dit dans sa Bible, tu vas le faire de manière perpétuelle. Pour des générations à venir. Parce que toi, tu as reçu le Christ il y a 2 ans. Des gens veulent le recevoir ce jour-là comme toi. Comme toi, tu l'avais reçu. Tu serais un blocage à cela. La commémoration doit avoir lieu. La manifestation doit avoir lieu. Tu as soulevé ce jour-là, le premier jour que tu as reçu, tu as soulevé ton rameau de manière physique. Il faut que d'autres soulèvent. Toi qui as évolué dans la connaissance de Dieu, tu n'as plus besoin de rameau. Le rameau qui signifie le signe de victoire. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Mais okay. Les gens. Question de maman. Satisfait? Merci. Apport. L'instant où nous parlons, tu avais une autre compréhension de cette fête. Une autre est arrivée ce soir.
plonge, va en profondeur dans la parole. Dieu, qui a tout, qui a la réponse à toutes choses, te révélera afin que tu puisses comprendre davantage et en partager davantage. Il m'en a dit, tu connaîtras la vérité, la vérité libre. Tu connaissais déjà quelque chose. Une chose s'est ajoutée aujourd'hui pour te mûrir davantage. Ne sois pas ne sois pas un écouteur, un auditeur oublieux de la parole. Mais sois comme les chrétiens de Béret qui, ayant entendu ce qu'on a dit, sont allés à la référence, ils sont allés à la constitution. Et si je dois te répondre particulièrement, tu n'as pas encore entamé ta recherche. Quand tu entends ici, ne rentre pas dans ta chambre et te coucher avec. Enseigne ta famille immédiatement et maintenant bondis dans la vie. Crée une chaîne YouTube. Pourquoi celui qui est aux États-Unis peut te voir en direct comme ici? Quand Dieu te donne une révélation de sa parole, réponds à cette révélation. Je vais dire quelque chose. Est-ce que Moïse était présent quand il a créé le ciel et la terre? Tout le monde de Genèse, Moïse n'était pas présent. Il n'était pas né. C'est des milliers d'années qu'il est né. Mais Dieu a ouvert sa télévision. Pour dire, regarde, regarde comment j'ai créé le ciel et la terre. Il lui a tout expliqué. Il dit, maintenant écris et envoie. La révélation vient de la parole que tu as entendue. La parole que tu as entendue est une information, une connaissance. La révélation est une compréhension de ce que tu as entendu. L'explication profonde de ce que tu as entendu. Et tu passeras à la troisième étape, qui est l'étape de la sagesse, la mise en application afin d'impacter autant de personnes que cela soit possible dans ton environnement. Thank you.